peut-être planté chez moi, tu me diras. Je vais quand même en reprendre. Ah, par contre, il n'y a pas de bête. Hein. Ouais, c'est des herbes médicinales en fait. D'accord. De visiter la map et plus on sera vite tranquille quoi. Alors là
il y a beaucoup de ressources. Alors qu'on n'en a pas vu depuis le début. Pas à côté de chez moi. D'accord, c'est intéressant à savoir.
Il y a encore la zone ici à voir. De la moto, je la ramasse pour pas la perdre. Je fais une save pour commencer, même si je vais en faire une deuxième après. Voilà. Ensuite, je ouvre ma map pour voir déjà où est-ce que je vais aller la prochaine fois. Je pense que je vais aller direction les talons, les verts. C'est bien les talons. Et il faut que je traverse jusqu'ici. Donc, un waypoint en approche, cible validée. Maintenant. Dans mes points d'engramme, j'en ai 234. Outils et armes. Déjà, on va commencer par armes. Pistolet, ça sert à rien. Lance-roquette, je l'ai déjà. Mais je l'ai pas crafté parce que j'avais pas ce qu'il fallait. Et ici, j'ai pas besoin. Ici, je peux avoir l'automineur V2, je le prends direct. Je peux avoir des trucs qui me servent à rien. Ok. Le Hoover. Bah, à part la foreuse, j'ai besoin de rien sur le Hoover. Module de tronçonnage. Ah, c'est pour les arbres. Non, ça m'intéresse pas. Par contre, foreuse mécanique, oui. Donc, il faut que je débloque ça. Mais est-ce que ça vaut le coup de le faire maintenant? Petit vaisseau, ça, c'est ce que je vais utiliser le plus. Les canons électriques et un plasma et tout le bordel, ça peut être intéressant. Les propulseurs du GS ou du GM. On va débloquer les propulseurs. Alors il y a G2M. Oh putain. Les enculés. Ils m'ont attaqué, les bâtards. J'en ai marre. Soit araignée ou soit raptor. C'est bon, putain. Lâchez-moi la grappe. Faut pas être safe à un endroit tranquille, bordel de merde. Bah, s'ils viennent là, par contre, tant pis. Hein. Faut que je le mange, lui, parce que je vais perdre. Sinon. On va ramasser ça, tiens, hop. Alors, je peux continuer, c'est bon? Parce que là, ça commence à me gaver. Alors, j'en étais où, moi? Le canon en plasma, je vais le prendre, comme ça c'est fait. Je vais prendre le CPU T3. Ça me fait bousiller beaucoup de ressources, enfin beaucoup de trucs quoi. Si je prends ça,
ça et ça. Il me reste 100 points, quoi. C'est abusé. Le cockpit blindé, ça c'est pas mal, mais ça peut attendre. Ça peut attendre parce que pour l'instant le blindage, j'ai pas ce qu'il faut pour le faire. Alors, du coup, ça c'est bon. La base, bah le réservoir non, ça non plus. Le CPU, on l'a. Faut juste qu'on le crée parce qu'on l'a toujours pas créé, mais on l'a. Ok. Bon, les plateformes de réparation, j'ai dit que c'est pas la peine. Tourelle et laser et plasma. Bah ça c'est pas mal, mais pour le moment, ma base elle est protégée. Il n'y a pas de problème. C'est surtout pour moi en fait qu'il faut que je me pense à moi. Donc en arme, je sais pas, le pistolet, non, je pense pas que ça soit utile. Par contre, le hoover, le constructeur mobile, je vais le prendre. Putain, la créature elle va me faire chier tout à l'heure. À tous les coups. Le conteneur modulable, je sais pas si c'est utile, j'en sais rien, on verra. La tourelle mitrailleuse, c'est pas ouf. Mais la tourelle lance-roquette, par contre, elle a l'air pas mal. Après, qu'est-ce que je pourrais. Il n'y a pas trop de trucs. Hein. La foreuse mécanique, je sais pas dans ça. Bah attendez. Ah si, là. Alors attends, il me reste 93. On va prendre ça. Ça. La foreuse mécanique comme ça. Multi-outils et forage. Ça, ça peut être sympa, mais c'est pas non plus le mieux. Et la foreuse laser, ouais. Bah là, du coup, il me reste quoi? Ouais. Ça faut 30 points, ça fait mal au cul quand même. Moteur V2. Ouais, mais il faut débloquer le V1. C'est pas pour tout de suite. Ça, ça peut être pas mal aussi, mais ça fait 5 points. Tourelle à plasma ou. Oh là 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 là. On va prendre les tourelles. Le CPU, on peut le prendre. On va prendre le moteur. Et il nous reste un truc à prendre. Ça. Voilà. Il reste 4 points. Est-ce que je peux prendre un truc? Bah, passager, je m'en bats les steaks. Je suis tout seul. Mais bah, on va prendre les gyroscopes déjà. Puis ça sera tout. Hein. Les trucs à 2 points, il n'y a pas grand chose. Ouais. Il n'y a plus rien. Le truc à 2 points, à mon avis, c'est mort. Hein. Mais bon, je regarde au cas où. Parce que si je peux débloquer un truc qui sert à rien. Enfin, ça sert à rien de le débloquer, vous allez me dire, mais en même temps, ça gaspille des points qui vont être utiles peut-être par la suite pour débloquer tout l'arbre de compétences, même si pour l'instant, voilà. Alors, niveau 25, c'est ce qu'il y a de plus gros, j'ai l'impression, ouais. Niveau 25, et je suis déjà niveau 17, je crois. C'est marqué où? Je sais pas. Niveau 17, normalement, et je suis en volume, je suis trop lourd, mais pourtant, j'arrive à marcher quand même, alors c'est bizarre. J'ai 4 tonnes sur mes épaules. What the fuck? Et j'arrive à marcher quand même. Bon. Avant que la créature vienne me faire chier. On va aller par là chercher 2-3 trucs à bouffer. Voilà. Et je vais bouffer mon ragoût. Voilà. Et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. C'était Profit Troll sur la chaîne The Dragon Priest.